Donc Olivier, tu es venu avec ta fille Sigrid. L'objectif c'est quoi? Pourquoi vous êtes venu là? Eh bien l'objectif c'est de monter une sorte de food truck sous forme de caravane. Ouais, d'accord. Voilà, pour animer nos week-ends et nos vacances. D'accord. Alors comme toi, ça fera un travail de vacances pour Sigrid. D'accord, ok. Voilà. L'idée c'est un petit peu de joindre l'utile à l'agréable, pour qu'on est venu en famille. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. On découvre ce job, parce que c'est un vrai métier, hein, faire des crêpes. Ça n'a rien à voir avec les crêpes qu'on fait à la maison, la chandeleur, etc. C'est un métier, il y a une pâte à connaître, les ingrédients à faire, les gestes à comprendre. Il n'y a rien d'anodin. Tout est réfléchi, tout est pensé. Donc on apprend vraiment des choses très intéressantes. Bah c'est vraiment d'ailleurs ce qui surprend très souvent, c'est qu'on se figure que, ou certains se disent on va faire des crêpes baguettes et on va s'en mettre plein les fouilles, pour pas dire plein les machines, mais c'est un métier de la restauration, c'est un métier fatigant, reste debout. C'est ça. Ah bah je peux vous dire que le premier jour est très éprouvant. Ouais. Le second un peu moins, le troisième, bon bah, on commence à prendre ses marques, ouais. À reconnaître un petit peu où sont les... Il faut dire que le troisième jour, on ne fait plus rien. Bah moi, tu vois, j'emballe. J'ai jamais autant emballé de la vie. Mais au poil. Et il dit ça librement devant sa fille. Voilà. C'est un homme libéré. Bah, il vaut mieux. Hein. De toute façon, pour suivre une formation avec Patrick, il faut mieux être libéré. Hein. Oui, ça va. On a l'esprit libre. Oui, ça c'est clair. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, on a tous des profils différents là, sur cette session. Ouais. Mais dans notre esprit, on est tous un petit peu libre. Oui, je crois. Et ça te fait quoi de signer des autographes? Bah franchement, ça fait chier. Alors on peut imaginer que c'est le climat, changement du climat, réchauffement des eaux. Bonjour monsieur le phoque, alors que faites-vous ici? Je suis venu faire des crêpes, mais bon, ouais, je me sens bien, je fais une petite pause. Je suis avec le meilleur crêpier de France, vous pouvez le filmer. Mais le Maison Leroic. C'est quoi l'adresse? Centre Kerlédé. Et autour de ce centre, il y a un cimetière rempli de personnes âgées. Il est couillon, lui. Bon alors, tiens, Christine, on va faire une interview comme ça. Voilà, quelles étaient tes envies? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Plein de choses. Plein de choses. Après, je voulais essayer de tourner de façon différente de ce que je fais à titre personnel. Et donc, c'est pas facile de perdre ses mauvaises habitudes. Très difficile même de perdre ses mauvaises habitudes. Et donc, par contre, tous les petits trucs à côté, alors là, c'est du plus. Après, Après, il faut s'entraîner. Après, il faut... Oui, mais s'entraîner. Et puis, tout au niveau organisation ou autre, eh ben, va falloir tester. Voilà. Et toi, alors ton projet, est-ce qu'il se dessine dans ta tête ou est-ce que tu vois une autre manière de faire par rapport à ce que tu avais dans ta propre tête avant de venir? Certaines choses peut-être, d'autres pas bouger, mais je pense qu'il va falloir essayer de faire en saison pour vérifier que ça soit pertinent sur du plus long terme. Ouais. Et est-ce qu'en termes d'organisation, parce qu'on a tous remarqué que il suffit de cuisiner juste un petit peu pour voir qu'on a un immense chantier dans sa cuisine. Donc, est-ce que c'est pas l'occasion de se dire il faut un peu recentrer les choses parfois? Ah si, c'est même sûr, mais je pense que de toute façon, pour commencer, il faut commencer avec quelque chose où on maîtrise bien au début. Ici après, puis ça dépend du volume, puis ça dépend combien de personnes on est en cuisine, quoi. Les principales erreurs viennent dans ceux qui s'installent, en crêperie ou ailleurs, en pizza c'est pareil, des cartes bien trop lourdes. Donc il vaut mieux avoir à augmenter plutôt qu'à rincer une carte. Merci à toi en tout cas d'être venu. Merci à toi et à toute l'équipe qui traînait dans les environs. Dont la plus jeune des plus jeunes stagiaires, Sigrid, parce qu'elle a battu le record, je crois qu'elle a que 16 ans. Justement, si elle les a eu, je sais pas. Si elle les a eu. Bon allez, bonne route.
Bon, alors, est-ce que tu considères que tu fais tourner des crêpes et des galettes maintenant? Ça va, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé de compliqué? Bah, c'est tourné au début et après ça va. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manocamène au cœur de ville. Alors, oui, je sais, rachète de la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelques fois, mais ça ne vient pas, je suis pas doué.